les consignes du début de match, elles n'ont pas été à respecter. On sait que c'est une équipe qui a des bons attaquants et qui peut être euphorique. Et on l'a laissé prendre confiance. C'est des équipes voilà, qui n'ont rien à perdre contre entre guillemets, des grosses écuries comme nous. Donc tu laisses prendre confiance et après voilà, ils shootent dans tous les sens. Et si ça tombe dedans, bah, t'en prends 20 comme ça sort. Il nous faut beaucoup plus de dureté et surtout faut que voilà, les consignes du coach, faut qu'on les respecte et voilà, faut qu'on joue comme une équipe et qu'on soit constant dans l'effort, pas qu'on fasse 10 minutes très bien ou 8 minutes très bien et que 2 minutes ça soit catastrophique, qu'on laisse des paniers faciles ou des choses comme ça. Donc voilà, on ne peut pas se permettre ce genre de choses et on le sait, donc voilà, on va travailler dur et on a des matchs importants, Poitiers et Pau, et voilà, faut vraiment réagir. Ouais, après c'est vrai que c'est des départs qui chamboulent les choses parce qu'il faut faire en sorte de voilà, pallier à leur absence et retrouver voilà, un collectif qui est différent, qui n'est pas pareil que quand on y était là. Donc c'est sûr que voilà, ça change beaucoup de choses au niveau de l'équipe, mais voilà, on a l'équipe qu'on voulait, enfin du début de saison, entre guillemets, qu'on voulait avoir en début de saison. Donc il faut travailler sur les bases de ce qu'on a pu faire en début de saison contre Gravelines, c'était bien, ou des choses comme ça. Donc voilà, il faut continuer. L'année dernière, on ne me faisait pas jouer, on ne m'a pas fait jouer, et on n'avait pas confiance en moi. Cette année, le coach, il sait que je peux apporter énormément et que voilà, j'étais au championnat du monde il y a 2 ans avec l'équipe de France, que déjà l'année dernière, je devais être un joueur confirmé en Pro A. Et voilà, c'est ce que au jour d'aujourd'hui, c'est ce que je suis au niveau des Français. Je me considère comme un joueur qui est confirmé et qui peut jouer en Pro A, et le coach il le sait, et voilà. Donc après c'est voilà, j'ai un peu les clés de l'équipe entre guillemets offensivement sur le poste 2. Donc voilà, après c'est facile quand on est en confiance de produire du jeu. Edwin qui a franchi un palier, parce que depuis le début de saison, il est très cohérent. Et puis de toute façon, j'oublie pas ce qu'il a fait pour nous, parce qu'il est venu une année où c'était un peu compliqué, où on n'avait pas une super équipe, et il nous a permis de nous maintenir dans une saison difficile. Et aujourd'hui, je suis vraiment content pour lui de voir le gros palier qu'il a franchi.